un autre report, une autre déception. Ça me fait mal un petit peu. Selon CBC, le gouvernement fédéral s'apprête à prolonger la fermeture terrestre entre le Canada et les États-Unis au moins jusqu'à la fin octobre. Jocelyn Pageot et sa conjointe ne savent plus ce qu'ils vont faire. On se donne jusqu'à la fin novembre. Ouais. Parce qu'on a quand même notre propriété là-bas, notre maison mobile. Si ça rouvre les frontières, d'ici à la fin novembre, on va partir. Après, je ne suis pas sûr. D'autres sont déterminés à partir. Brigitte Comtois vit dans son véhicule récréatif à l'année. On avait prévu le coup, on avait un plan A, un plan B, puis là, ben, on est sur notre plan B. Là. On a réservé à Vancouver un camping. Exaspérée d'attendre l'ouverture de la frontière terrestre, alors que la frontière aérienne, elle, est ouverte, plusieurs snowbirds font appel à des transporteurs de véhicules récréatifs. Le téléphone, il n'arrête pas de sonner, surtout depuis que à chaque fois qu'il y a une annonce que les douanes sont fermées, on reçoit entre 50 et 100 appels par jour. Transport KMC se spécialise dans le transport commercial. Il est autorisé à passer la frontière sans problème. Les snowbirds doivent cependant répondre à certains critères. Il faut que la personne ait une preuve de résidence aux États-Unis. Ça prend une preuve du billet d'avion acheté. Ça me prend les formulaires des douanes dûment remplis. Pour une somme oscillant entre 3 500 et 5 000 $. Une bénédiction pour Maryse Legendre, qui angoissait à l'idée de demeurer au Québec cet hiver. Là, ça a été la solution. La solution. La Snowbird met en garde les autres voyageurs contre la surenchère des transporteurs. J'ai eu des tarifs qui pouvaient tripler, quadrupler pour le même trajet. Michel Silvestri prépare sa caravane pour l'hiver. Pour lui et sa femme, pas question de traverser la frontière. C'est sûr qu'avec toute l'incertitude, si tu es ouvert, si tu n'es pas ouvert, on a décidé de rester au Québec. Selon CAA Québec, la moitié des snowbirds prévoit rester au Canada cet hiver en raison de la COVID-19, même si de plus en plus de compagnies d'assurance acceptent de protéger leurs clients contre le coronavirus. Il y a certains assureurs qui sortent des avenants, donc c'est un certain montant supplémentaire à débourser. Il y en a d'autres qui l'ont mis dans leur police de base, puis il y en a d'autres qui font une tarification spéciale. Mais il n'y a pas que la maladie qui inquiète Michel et Nicole. La COVID, les élections, les émeutes, si eux ne font pas attention que la COVID, pour eux autres, c'est comme prendre une grippe, puis il n'y a rien là. Ouais. Ben. Là-bas, c'est rouge beaucoup, là aussi. Là. C'était peurant, là. On va se le dire, là. On ne se le cachera pas. Là. Puis les mesures que Trump prend, c'est pas tout à fait les mesures que M. Legault prend non plus. Hein. Ça aussi, là, c'est à y penser. Là. Une gestion de la pandémie au sud de la frontière qui pourrait freiner plusieurs snowbirds. Ici Marie-Josée Paquette-Comeau, Radio-Canada, Montréal.